Le Sartois Yves Jumeau a 5 ans lorsqu'il réalise ses premiers vitraux. Le fils du maître verrier est aujourd'hui un plasticien accompli dont les œuvres s'exposent à travers le monde. Mon père avait un atelier de peinture, mais surtout un atelier de vitrail en création et en restauration. Et donc, moi, j'ai traîné mes guêtres tout petit dans les églises, dans les cathédrales, mais aussi dans les châteaux où il faisait des restaurations de peinture, etc. Donc, en fait, j'ai toujours baigné là-dedans. C'est ma vie, c'est ma vibration. Derrière chaque œuvre, un message. Je déteste toutes les formes d'injustice. J'essaie de le présenter de manière pas trop sérieuse. Au niveau des sculptures, tout ça, j'essaie toujours d'y mettre un peu d'humour pour que ce soit malgré tout léger, digeste, alors que le monde environnement est dur, hein, il est un peu hard. Son inspiration, l'humain, source d'une éternelle introspection dans les reflets du verre. Tous ces travaux que l'on voit sur les murs, qui sont des radiographies, ce sont des photos à partir de radiographies humaines. Et donc, que je grossis, que j'exploite, etc. Après, je mets une forme de coloration qui permet de voir les différentes densités de matière. C'est ce que j'appelle un embrayage intérieur. Et donc, aussi bien à l'intérieur, ça renvoie à la psychologie, mais bien évidemment, à l'intériorité du corps humain. Vous avez jusqu'au 13 octobre pour découvrir cet échantillon d'une œuvre colossale. L'exposition est à la galerie L'Armature de Fresnay-sur-Sarthe.